Le cursus 1337, c'est un cursus calibré sur 3 ans. Toutefois, cette durée reste indicative car le cursus il est extrêmement individualisé. On peut trouver des étudiants qui peuvent le faire en 3 ans ou plus, d'autres qui peuvent le faire en moins. Ça dépend de l'effort qu'ils font, ça dépend des heures de connexion qu'ils passent à l'école. Aussi, la particularité de 1337, c'est aussi une école qui est ouverte H24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Il n'y a pas de prof, pas de cours. Il y a un mode d'apprentissage en pure learning. Donc, c'est les étudiants eux-mêmes qui sont à la fois formateurs et apprenants. Ils travaillent, ils collaborent entre eux, ils travaillent sur des projets qui doivent réussir. Et même la correction et l'évaluation se passent aussi en mode pure learning. Au début, c'était comme un jeu. On avait juste des toutes petites instructions. Et on devait se débrouiller. Genre, on peut demander à nos collègues, on peut vérifier. On ne savait pas quoi faire. Et après, on a commencé à étudier, à demander à nos collègues, à chercher sur Internet et à commencer à apprendre au fur et à mesure. Et on a passé un mois, il y avait 300 personnes au début, c'était comme une famille. Après le mois de la piscine, on attendait quelques jours, après j'ai reçu l'email comme quoi j'étais accepté pour commencer ma carrière comme étudiant. Donc ça fait une semaine ou plus maintenant on a commencé. Le programme, au début, s'il y a un tronc commun, on va étudier que le C. Après, il y a des spécialités. Il y a soit sécurité, soit database, soit pour le développement web. Donc chacun, il va choisir le domaine qu'il veut, le domaine où il est vraiment à l'aise. Moi, personnellement, je pense que je vais choisir la sécurité parce que c'est un domaine qui me plaît. Et c'est un challenge aussi, donc, parce que la sécurité, c'est un domaine qui demande vraiment beaucoup d'efforts et qu'on doit être à jour. Ici, vous assistez à la dernière heure de la 7e édition de la compétition de programmation MCPC, The Moroccan Collegiate Programming Contest. Donc cette édition a été organisée en collaboration entre l'Association marocaine de la computer machinery MECM et l'école 1337 comme host et sponsor. Donc le but de cette compétition, c'est de rassembler les étudiants, des équipes des étudiants des écoles et universités de tout le Maroc pour résoudre un nombre d'exercices pendant 5 heures sans accès à Internet. Voilà, et non seulement on résout les problèmes, les exercices, mais avec la bonne façon. Donc, les gagnants de cette compétition, ils vont représenter le Maroc dans la prochaine étape, qui est la compétition arabe de la programmation, qui aura lieu le mois prochain à Sharm el-Cheikh en Égypte. Et c'est la deuxième étape pour se qualifier à la compétition internationale qui aura lieu au Portugal.